Bonjour mes histos curieuses et mes histos curieux. Pour ce cinquième épisode, nous nous sommes rendus à Champigneulles. Vous allez découvrir avec nous son magnifique château du Bas. Au début du XVIIIe siècle, François Christophe, le prude homme, comte de Fontenoy, laissa son empreinte dans l'histoire en érigeant ce magnifique château en bordure du chemin de la papeterie. Entouré d'un vaste parc, ses terres accueillaient le duc Léopold et sa cour, venus savourer le célèbre vin de Champigneulles. La renommée de cet endroit ne se limitait pas à là. Le comte fit même cultiver un cépage de champagne, aujourd'hui connu sous le nom de plante de Reims. Cette vigne subsistera au fil des ans, laissa une trace durable de son héritage. Les pierres des anciens vestiges du hameau de Saint-Barthélemy ont été utilisées pour construire ce château exceptionnel. Bien que peu de détails soient parvenus jusqu'à nous sur sa construction, des témoignages de l'époque décrivent un édifice admirablement conçu, accompagné de jardins somptueux. À l'intérieur, le passage du temps n'a pas effacé la grandeur de ce lieu. Le salon central conserve un escalier courbé à double volet, surplombé d'un magnifique plafond ovale peint, semblable à celui de l'hôtel Ferrari à Nancy. Les 13 hectares du parc du château, aménagés dans le style d'Italie anglaise, offre un refuge pour une variété d'essences végétales. Les clairières engazonnées et les sentiers sinueux vous guident à travers des paysages changeants, le long des cours d'eau de Saint-Barthélemy. Cependant, les années ont laissé leur marque sur le château. Des infiltrations d'eau menacent la structure, mettant en péril même le splendide plafond ovale peint. Ainsi, un projet de restauration ambitieux a été entrepris pour sauvegarder ce patrimoine précieux. Le parc, géré dans le respect de l'environnement, accueille une faune diverse, des oiseaux majestueux aux canards, en passant par les poules d'eau, des plantes rares comme la tulipa sylvatrice et la Gagea silosa trouve ici un havre de paix. Aujourd'hui, le parc vise même à obtenir une certification écolabel. Aucun traitement chimique n'est utilisé, laissant la place à des méthodes respectueuses pour l'environnement. Pour maintenir l'équilibre naturel de ces espaces précieux, le château du Bas, avec son histoire riche et son parc enchanteur, incarne un patrimoine à préserver. Les efforts de restauration et de préservation témoignent de notre engagement envers la préservation de ces trésors du passé. Mais l'histoire de Champigneulles ne se limite pas au château. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces de peuplement dès la préhistoire, avec la découverte de deux stations néolithiques signalées. Les vestiges gallo-romains nous transportent dans le passé, notamment avec la découverte en 1869 d'une stèle dédiée au dieu Mars dans le secteur de Loival. De plus, le site d'une villa gallo-romaine a fait l'objet d'une fouille de sauvetage en 1969 et 1970, au lieu dit au Sarrasin. Cette fouille a révélé une cave contenant un dépôt d'objets en bronze, dont une statue de Dionysos, qui était sans doute destinée à la fonte. Au fil des siècles, une population dispersée dans le vallon de Bellefontaine a progressivement forcé un hameau nommé Saint-Barthélemy, qui était rallié à Bouxeres-aux-Dames.
ainsi l'histoire de Champigneulles et ses riches découvertes archéologiques. Le château et son parc témoignent de ce riche patrimoine qui mérite d'être préservé pour les générations futures. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Non loin de chez toi.